chemin du vrai bonheur, combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui là-haut que du ciel saint séjour, réagis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, heureux quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie et en lui pour jamais. Réagis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Amen. Merci, frère Jérôme Rodrigue, que le Seigneur capable de bénir, bénir famille. Et nous profiter de saluer tout bien-aimé dans la communauté. Quel que soit côté, nous n'avons pas gagné une préférence. Chaque frère et soeur nous a adoré le Seigneur. Et soyez bénis et soyez dans la joie. Et nous sommes liés un texte pour vous, c'est dans Jean chapitre 20. Et peut-être qu'il va révélation ça sous question de Saint-Esprit. Nous constatons que en dans texte, hein, le Seigneur Jésus-Christ bail disciples une dimension extraordinaire. D'arrêter regarder le texte là avec moi. Mais même avant que nous garder texte ça, parce que vous pouvez regarder que disciples ont le pouvoir pour nous pardonner péché. Par contre, si vous remarquez texte, disciples ont le pouvoir pour nous pardonner péché. Bon, on lit texte. Texte dit que dans le verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés. En mettant en créole, à tout le monde qui nous pral pardonner péché, à tout le monde, étant que disciple, qui nous pral pour nous pardonner péché, et moun sa yo, yo va pardonner. En d'un texte, nous avons dit que nous avons un grand
pouvoir nan men. Mais disciple pas seulement le pouvoir pour pardonner péché qui ont signe de bénédiction. Mais nous gardons nos disciples le pouvoir tout pour yo retenu nan péché. Peut-être capable de comprendre bizarre. Même d'arrêter où, relis le texte. Hein? Vous parlez, ce n'est pas moi-même qui ai dit, mais c'est le texte qui a dit. Le texte dit à ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, vous devez retenir, nous quimber dans la dimension qu'il y a, dans état qu'il y a, la Bible dit, ils leur seront retenus. Juste avant de développer qu'aucune chaîne parole ça, peut-être, y a pas prêché ou lié. Les prédicateurs n'ont pas, en plus des prédicateurs n'ont pas prêché. Ça qui est difficile, parce que si on prêche, il y a deux bagages qui ont fait, peut-être, Dieu nous va ouvrir. Dieu spirituel nous va ouvrir. Mais comme ministère radio de très utile, il prêche la Bible à toute sincérité. Et demandons, suivez-nous pour prendre connaître sa expression, sa signifie. Toute dynamique à coûter ministère, ça nous toujours dit lui. Et bien, ça y a un groupe de monde qui croit, qui a constaté que nous ne croyons pas. En bas exemple, par exemple, nous avons plusieurs groupes de monde qui croient dans un Dieu en trois personnes. Ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est divisé en trois mondes. Bon, mais chez théologie ou des langages passés, vous avez quand même montré où. Il y a dit même bagaille avec moi. Pourtant, ce n'est pas vrai. Son stratégie qui consacre. Ça sortit de très loin et nous garder que yon an exemple en plus de religion c'est on nous dit c'est l'église catholique mais dans Apocalypse 18 Apocalypse 17 Apocalypse 13 Jean, l'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, était bien temps prophétiser ça. Prophétiser, ça veut dire lui prophétiser sa praline. Il y a trois types de prophétie. Il y a une prophétie dans le passé. Il y a une prophétie qui est déjà passée, écoulée. Donc, on doit répéter, mais ça ne va pas faire aucun effet parce qu'il y a déjà. Et accompli. Il y a des prophéties qui en cours. Prophéties qui en cours et encore à dérouler dans le moment. Et il y a des prophéties qui sont des prophéties futures. Il y a trois aspects dans les prophéties qu'on a besoin pour nous. Hein? Prophéties qui sont déjà passées. Faut lire la Bible, pas lire seulement, mais garder est-ce que prophétie ça a passé déjà? Ou pas prendre pour une vérité actuelle? Lire ces vérités, oui, mais des vérités dans le temps, dans une période bien déterminée, lire encore dans la Bible. Ou pas montrer un texte biblique, mais vérité ça.
C'est une vérité qui était là pour un moment bien déterminé. Bon, bah, un exemple. Si nous prenons Exode 12, les Israéliens sortis en Égypte, leur fin passé 430 ans en Égypte. Et notamment, le Seigneur, le Tout-Puissant, va délivrer le peuple. Il va le retirer dans l'esclavage. Et puis il dit Moïse, al dit peuple Israël, mais une recette que m'a baillé pour yo faire recette là, Jean moi dit ou al dit sans manquer en rien. Dio, chaque famille va prendre un petit mouton. Un mouton mâle. Pas de femelle et d'un jour pour jour il va immoler mouton, ça veut dire il va touiller pour sang verser et le sang versé il va prendre sang il mette dans bon créole dans battant porte là ni en l'air ni en haut parce que pral gagnon ange de destructeur qui a passé tout monde toute famille qui pas gain signe de sang ça ange destructeur va détruire. Rappelez-nous dire que lorsque les fils ou bien les filles du Créateur ou sont mystérieux, il y a des bagailles dans la vie où sont mystères qu'elle est. Des fois, l'école pas capable d'expliquer où lui. Donc, son mystère, c'est des choses cachées. C'est seul créateur qui a aidé au problème. Maintenant, c'est une prophétie, il est biblique. Mais, époque le Seigneur Jésus-Christ a parlé à Moïse, époque ça a passé. Maintenant, nous sommes l'autre ère, nous sommes l'autre période. On va aller plus ou moins clair pour comprendre. Nous sommes l'autre période. Période à part. Période Moïse, là, époque Moïse de recevoir le royaume sur la montagne de Sinaï. Non. Maintenant, Kounia, même les écrits dans la Bible sont vérités. Mais c'est une vérité qui est une prophétie là-dedans qui passe. Personne ne pas besoin de prendre un mouton et égorger le pour s'encouler pour faire symbole ça pour mettre là l'étau porte là en bas et en l'air. Vous êtes d'accord avec moi sur la Bible? Maintenant ça c'est une prophétie passée. Maintenant nous pas croyons que nous avons Dieu en trois mondes. Donc, l'Église catholique paraît, les dignes, Jean prophétisait, gagnait une doctrine, il va arriver, Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est une doctrine. Doctrine, ça, il y a plusieurs noms. Il va arriver, la mère des prostituées, notamment, c'est une doctrine, mais qui n'a pas identifié un monde. Ça ne veut pas dire l'endi doctrine l'Église catholique et où est le pape, où est non. Parce que
créateur a un plan pour chaque être qui existait sur la planète là. Nous avons choisi de faire des tours pour nous faire ça, nous voulons, mais pas oublier le plan du créateur, plan créateur là, il n'est pas capable d'éliminer. Il est le tout puissant, il est au-dessus de toute puissance qui existait. C'est lui qui est en contrôle. Il est le souverain. Maintenant, nous ne croyons pas, nous avons dit en trois personnes, que bien-aimé a circulé. Mais, pas de monde qui tendait dans la prédication, nous dit le fait que vous ne croyez pas, vous croyez non Dieu en trois personnes, moi je ne crois pas la donne, et puis me présenter comme des gens qui vont bouler dans l'enfer. Vous ne pouvez pas entendre ça. Au contraire, le mot enfer, là même, les besoins analysés pour qu'on ait qui s'allier. Donc, notamment, nous pas quoi là, nous croyons dans un créateur qui crée tout bagaille, inclut l'homme, mais créateur ça, c'est un esprit. Nous relions l'être des êtres, esprit des esprits. Maintenant, dans une période de temps, être ça, l'être des êtres ça, prend la forme de l'homme, une forme humaine. C'était dans une époque, presque 200 à 300, 3000 ans écoulés depuis créateur qui est dans une période ça. Maintenant, l'homme qui est dans une période ça, il est évident de remplir une mission. Mission, c'est juste révéler si l'aïe qui sauver pour le retirer dans l'ignorance. Bonne vérité dans le texte là, parce que nous ne pouvons pas remplir, ou même qu'à suivre sur les ondes à travers les études. Remarquez que nous ne voyons pas dans l'enfer. Nous ne maudissons pas tout. Mais nous avons des problèmes avec la doctrine qui n'est pas agencée selon les écritures. Frère David, est-ce que c'est au plus fort qu'il dit bagaille sur les autres? C'est comme si, non? Nous venons les bien-aimés, l'autre bien-aimé qui a le même langage là. Sans battre même contact, j'en me joins avec une fois. Et majorité nan yo, en pile moun pa fè yo, pa gen pile moun, des milliers de moun ka pouri derrière yo, parce que en dan message sa yo nan point fort ki la donne, Jean le Seigneur Jésus-Christ lèl t'a voye disciple, li di, mwen voye nou pou nan bay message de la grâce la, et pas fait pour mais ça veut pas vendre message là. Moi c'est yonan groupe de monde que le Seigneur Jésus-Christ peut utiliser pour ne pas vendre message là. Comment vendre? Vous pas attendre moi. Li nan Bible, m'a demandé dîme. Et m'a expliqué où c'est pas qu'un seul dîme, c'était 6 catégories de dîmes qui étaient gagné, monsieur pas prendre temps pour m'expliquer ça. Donc, ça veut dire moi minoritaire, ça veut dire pile moun sa kap di moun kote di et frère David pa di sa veut dire moins pa gen pile moun ki gen peur parce que doctrine a tellement prend contrôle monde là donc tout moun ont ti gen peur pou yo di poser mais me rappeler Jean-Baptiste pa peur pou te délivrer message là pou te dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Voyons un texte qui est en contradiction à ça, m'a le péché là. La Bible, c'est un livre de contradiction. Ou pas besoin de comprendre ça, ou dit, parce que si moun nan poko la nan dimension, donc pou pral chèche l. C'est pas ou pral chèche moun nan pou vinn comprendre non.
c'est lui pour venir comprendre parole. M'a prédicateur pour aller dit parole pour moi si m'a attiré moun. Ça veut dire si m'étais besoin attirer moun, m'pas ta prêcher comme ça. Tout bon vrai si m'étais besoin attirer moun. Le message ça m'a gagné. Mais quand puis moun qui a posé question. Est-ce que le pas gagné fait intérêt de côté? Il y a pile moun qui pose une question soit sur commentaire yo, moi yo, etc. etc. Il n'y a aucun intérêt. Intérêt, c'est dire que la Bible, c'est un livre de contradiction. Ce n'est pas un livre qui, même j'ai tout livre, ça a été mais moins dit tant de coups fait que content. Donc, content, ça n'a pas pris temps. C'est ça, moins bas ou qui fait que pas content. Au contraire, qui pote un contentement, une joie éternelle, c'est lui. Mission ça. Mais Jésus-Christ a gagné même mission hein, pour pas y faire mon plaisir, même j'ai avec disciples, etc. Mais pour yo recevoir la joie éternelle. Ceci est tellement vrai. Jésus-Christ, dans Jean 6, prêchait l'évangile. Il prêchait en vérité et la Bible dit. Tu as gagné 72 disciples à côté des 12 autres. Et monsieur, ça n'est pas d'accord avec l'évangile Jésus-Christ. Là. Il était commencé avec Jésus-Christ. Et puis, il a trouvé que ce n'est pas un message là, ça que Jésus-Christ te doit prêcher. Dans Jean 6, si vous regardez le texte, là, on va l'expliquer au péché que le Seigneur Jésus-Christ baille monsieur, ça au l'ordre. Pour nous pardonner péché, on va le montrer. Il y a plusieurs catégories de péchés. Là où est péché dans la Bible, pour pas presser, dit oh, péché, ça voyez mon dans l'enfer, etc., etc. Et puis pourtant, on pas de compréhension de sa péché. Il y a plusieurs catégories de péchés. Finalement, nous constatons que Jésus-Christ, dans Jean 6, lui prêchait. Et la Bible dit, messieurs, yo, fâché. La Bible dit dans Jean 6, bon, montre où yon bagay. Il dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus-Christ te baille prédicateur yo disciple yo modèle. Il te baille yo modèle pour monsieur porter l'évangile qui baille la vie éternelle. Mais c'est pas d'une manière pour faire mon plaisir et puis nous gain propre intérêt nous derrière et puis c'est ça nous de l'église là. Non. Au contraire, la Bible dit 72 disciples qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ vient prêcher, vient d'ailleurs murmurer, il dit, mais parole ça, il est tellement dur, qui est le monde qui peut écouter Jésus? Il est tellement dit causer sous Jésus, il y aurait les démons, il y aurait les monde fou, tout ça. Donc, prédicateur, toujours souvent, dit, mais semble tête li pas là. Pour qui ça? On est un jeune garçon comme ça. Il a cherché côté, il joint une organisation et puis il enregistre l'organisation. Donc, notamment, l'organisation a acheté un bel caille pour lui, une belle machine. Parce que pasteur, il a bon corps mieux touché. Lorsque pasteur, c'est ça fait. Pasteur calé tant pour Dion dans le monde. Ça va veut dire si le Seigneur fait appel à vous pour prêcher comme ça doit être. Parce que des hommes, pasteur poussé pour Dion dans le monde et pour mon père. Non! Vous faites exactement ça le Seigneur m'a donc fait.
entre parenthèses, tendez l'histoire au pasteur. Qui prend une jeune fille, lui dit, m'a adopté. Il prend jeune fille n'a pas gagné moyen économique, il dit la voyer l'école. Et les jeunes filles, il prend jeune fille, elle fait habiter la Kaili, lui-même lui aux États-Unis. Et à un certain temps, la baille jeune fille, il en ligne comment pour les jeunes filles saluent, bonjour pasteur, non signe de respect. Il dit non, parlez-le comme ça. Relem et papi chéri, il bal, un signe d'affection. Il introduit, il induit, la bécheté induit pasteur en erreur. Les petites filles n'ont pas capable encore. Ça le fait, il arrive, dit pasteur, ça pasteur qu'on fait. C'est relem la vidéo call. Et puis, pasteur mettait tout au nu. Il y a un cap dit, oh, pas dit ça, pasteur David. Mais mes amis, qui est mon cap dit? Tellement de bagages sales qu'a fait dans le mouvement. Si nous-mêmes, le Seigneur utilise nous pour le mouvement, dans le moment n'a pas l'air, c'est pour nous dire. Pasteur, mettez-le nu, bah, jeune fille à vidéo call, et puis dit mais comment? Pour le satisfaire, pasteur de en longue distance. Le petit fille va lui faire ça. Il dit, petit fille, mettez-le dehors. Parce que si j'en mando là, c'est pour ça que vous faites. Moral dit qu'il n'en veut pas en sortir. Parce qu'il faut être prudent. Lors où c'est leader spirituel, dépousse tous ces pasteurs diacres ou c'est un monde public, ça va veut dire. Nous fort à 100%, mais tout ça nous a fait pour nous prudent. C'est pour nous prudent. Et la Bible même conseille nous, c'est pour nous prudent comme le serpent. Ça veut dire, hein, mes types de pasteurs, nous n'est pas comme ça qui est bâti ça. La chair aime ça, elle aime foule. L'heure où prêcher comme ça, ou attirer nous. Pour prendre combien de monde induit en erreur déjà. Donc, vous n'avez rien prédicateur ça. Au contraire, monde là vient perdu, ça aurait les monde qui sincère, monde qui honnête, monde qui dit faut moins yon kembe moralité ya, faut ba yo exemple avant de quitter la terre. Donc, vous n'avez pas aimé ça. Il aurait même pasteur à tomber dans des scandales et puis ouais, des milliers de monde à acclamer. Et pasteur a remé ça. Et majorité dans yo, yo vin quitter parole la dépouté, yo vin des vaudouisants, des ongans à bib, à chant d'espérance, sous prétexte, y a mené dans le ciel. Numéro 1. Pendant ma parole de ciel, là, m'a mené personne dans le ciel. Et pas de personne, j'en nous croyais dans l'ancien. Parole, ça va faire la religion plaisir. Parce que la majorité dans nous, ouais, nous prenons l'ancien. Et nous prenons passer 3 ans et demi dans le ciel là. 7 ans et demi, il y a montré nous des textes. Et puis, nous avons pour retourner dans la ville de Jérusalem pour nous passer 1000 ans. C'est ça, on va apprendre la théologie. Mais maintenant, moi c'est un bien-aimé repenti, moi dis non. Nous pas cabaille mon yo menti. Pour nous faire oublier tête yo sur la terre, tout tomber dans la pauvreté et puis yo quitter tête yo pour yo prendre soin, puis sous prétexte yo dans le ciel côté papa yo bâti un gros caï pour nous dans l'espace. Qui c'est mensonge. Donc nous camper contre lui, elle gagne près de 25 ans depuis n'a dit ça, pas venir n'a dit moins moi. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ prêcher. Et monsieur dit, parole ça, pas de monde qui a écouté. La Bible dit, pendant Jésus-Christ qui est omniscient, l'idée qu'on est ça qui a passé dans le cœur, dans le verset 61, il dit, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, et il a dit, bagaille ça a scandalisé.
verset 62. Si vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, il dit, monsieur, nous prenons parole que m'a prêchée sous forme de chair seulement. Mais est-ce que nous avons gardé chair ça remonter, étant que le Fils de l'homme, pour la chita côté le théé auparavant? Ça veut dire, mission qui t'est venue accomplie sur la terre, étant que Fils de l'homme, c'est son fonction. Mais il était le créateur d'éternité en éternité. Ça veut dire, m'badi, même bagaille, même j'ai tout le monde. Ça veut dire, message là, on est déjà flou pour pas quelque chose. Mais est-ce que ça va le permettre de changer le message là? Non. La Bible dit, à partir de paroles ça, la Bible dit, ils ont parti dans les disciples, ils ont quitté le Seigneur. Ils ont abandonné le Seigneur et y aller. Et le Seigneur Jésus-Christ qui a besoin fait un test d'évaluation. Les disciples allaient. Les 10 disciples. C'est l'esprit qui pour vivifier nous. Mais la chair comme ça, les papes servent nous moyen. Ça veut dire, ouais, David prêchait deux types de l'évangile. Mais donc comprendre, ça la chérie qui purement démon satanique, la chair. L'homme dit Satan, démon, est-ce que c'est un mauvais mot? Oui, non. Donc, nous qui recevons l'esprit doit être contrôlé, la chair qui doit guider la chair. Donc, pour ne pas arriver à faire n'importe bagaille, c'est l'esprit pour conduire. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit, disciples, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait rien. Il dit, mais les paroles que je vous ai dites, paroles, il dit, paroles, ça, c'est une parole de vie, une parole de l'esprit et vie. Donc, ministère ça plus prêcher l'évangile, l'esprit et vie. L'esprit et vie qui clembène pour être capable d'expérimenter créateur. Il y a des bagages, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas faire séminaire pour montrer comment vous. Vu que madame ou rentre dans le bagage, les gens prennent tout détail, ça, ils font des séminaires, etc. Ils apprennent même tout dans le pastorat. Mais non, même garder son temps que vous faites passer, ils créent un mouvement pour abuser. Je dis, au lieu de passer tout le temps ça, comment vous faites sexe avec madame ou avec mari, donc ça, on ne se moque pas besoin de prendre temps pour apprendre. Non. Donc, mon a fait propre expérience, la chair. Donc, ce n'est pas normal pour m'a dire mais comment vous comportez dans le foyer, etc. Si nous, ces amis, nous allons partager une expérience avec le foyer, parce que le foyer pas, pas foyer pas. Ça va rencontrer dans le foyer pas là, et tant que nous, ce n'est pas ça, nous rencontrer dans le foyer, nous n'avons pas la même éducation. Là, nous n'avons pas réuni un paquet de monde, et puis nous prenons 2 semaines à expliquer le monde ça sexy. Ouais, l'évangile fait la vie différente. Maintenant, bon parti qui quittait le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont parti qui déjà allait. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, non, l'elle constate que monsieur allait. Et puis, il dit aux paroles. Il dit, il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Frère, seigneur, si nous prêchons l'évangile, le Seigneur Jésus-Christ dit, il y a des gens qui ne peuvent jamais croire. Est-ce que c'est pour nous dire, vu que nous faisons l'évangile, Jean lié, pour nous venir, ou bien pour nous rester dans la position, les gens qui croient va adapter à la vérité. C'est pour ça la vérité prêchée.
nous pas faire monde venir louer nous pour gagner popularité pour gagner quantité de monde. Ça pas veut dire David remet monde en pile. En dehors de l'évangile que m'a prêché, donc nous remet monde. Nous remet monde, nous partager avec monde, nous vivre avec monde. Mais l'évangile ça, lui sérieux. Puisque le sérieux, est-ce que moi dois prendre l'évangile qui est sérieux, qui baille la vie éternelle là, qui guérit cancer là, qui guérit sida, qui guérit aussi des maladies que docteur pas ka guéri. Il y a des gens qui t'a pas tant de dire, mais type de don moi gagne cap guéri, vini. Non, mais moi connais qui ça l'évangile ça a fait à travers le monde. Donc est-ce que pour me quitter, pour moi si ma rapprocher ma groupe moun qui bon côté pour me kawé si ma gen moun yo. Ça pas l'évangile. Ça plus semblé avec un business. L'or fait ça. Tout prédicateur qui a coûté. L'or essaye de faire ça, il y a deux dangers là. Ou pas la tirer une série de moun qui a vini avec nous. Chaque habit a un esprit différent sur nous. Quand il y a des pasteurs, les moun yo vini avec des esprits différents. Donc automatiquement, il faut le mettre moun sous lui. Je vais même dire pour le mettre, pour comprendre la vie, vie spirituelle là, pour rentrer la donne. Donc, il est obligé de mettre moun sous lui à tout moun sa yo. Parce que l'on font assembler. A bien maçon loge qui a vini dans l'assemblée. A bien rosicrucien qui a vini dans l'assemblée. A bien yen wunga qui a vini. A bien mambo, l'or c'est pasteur, c'est pour penser à ça. L'or prêche l'évangile, c'est pour moun yo ka vini. Lè yo vini à tout esprit yo. Koun ya comment on pral fè, voye esprit yo ale, esprit sa yo qui contre l'esprit puissant. Par la même. Comment on va le faire? Ça veut dire, ou d'accord pour prendre toute couche de monde qui vient, mais on pas un vrai l'évangile. Kounia, ou obligé adopter même mouvement, monde qui sorti de Yoa, pour soit sauvegarder vivre. Ou vient peur? Chaque jour obligé à chasser diable baka, tandis que raison qui font faire ça c'est la peur qui envahit ou. La peur envahit ou, ou vindou bon puissance sous ou pour chasser diable et puis le monde qui gen vérité testé puissance là yo ouais c'est magicien yé des hommes qui a utilisé des trucs. Est-ce que c'est l'évangile ça nous besoin? Ou bien c'est vrai vérité hein, qui c'est toute puissance là pour nous adorer. Alors ou même on connaît c'est comme ça pasteur yo des foule monde qui envahit yo. Alors yo monde des près de 1000 2000 3000 4000 5000 monde qui vient dans l'assemblée à toute qualité d'esprit et pour elle gain pouvoir sur esprit yo. Tandis qu'elle pas dans la vérité. Sou ka comprendre ou comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ conteste et il dit disciple. Gagnent qui pas jamais croire et moun sa yo ou pas ka forcer. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible dit ces créateurs même Dieu envoie une puissance d'égarement sur eux afin qu'ils croient au mensonge. Bon, moi-même il y a des gens qui disent, on voit que populaire. Est-ce que c'est popularité que je cherche? Non. Ah, David, vous avez une belle assemblée qui a des milliers de monde, les affaires pasteurs, vous avez le révérend bishop et tel. Mais est-ce que c'est ça, mes chers amis? Oui, c'est très bien. Ça fait grand, il est un grand pasteur. Mais il est David, frère David. Mais en deux ça yo qui sont choisis vrai l'évangile ou bien l'évangile qui gagne combinaison la donne
Il y a un pile de bien-aimés qui gardent pasteur. Pour eux-mêmes, ils ne connaissent personne, ils ne connaissent pas pasteur. Et puis ils disent, pasteur, ça c'est un grand pasteur. Il a chassé des mots, il a chassé Baka. Mais regardez, maintenant ça, comment il n'y a pas vili graine. Comment il n'y a pas vili? Il n'y a pas vili propre, peut-être pas eux, parce que parole a dit, on ne se moque pas. Son cimet. C'est loué. Sorcimé, ou besoin grand pasteur, ok, pas de problème. Non, mais on va simé grand pasteur. Mais tout le monde qui simé, yon frère, yon humble frère, yon humble soeur, donc, on va besoin de récolte. Non, ça ne voulait. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit disciples. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? À travers la parole que Jésus-Christ prêchait, que yon foule moun qui déjà attendait la vérité, yon quitté le Seigneur Jésus-Christ li yale. Gardez pour nous, est-ce que Jésus-Christ a cherché yon? Sous prétexte pour caresser émotion yon. Vous pouvez comprendre? Des moun qui faibles, des yon dimension ou aller graduellement. Mais grand moment où il y a des gens qui n'ont pas besoin de l'évangile. Des gens qui jouent, vivent, chérissent, prennent plaisir. Et puis, lisser des agents pour avili pasteur, avili frère, avili soeur, craser foyer. Donc, bon, j'ai des gens qui ont besoin pour venir faire foule dans l'assemblée. Soit chercher. Non. Le seul bagage qui intéresse la vie éternelle. Chaque bien-aimé qui connaît que nous sur la terre, nous avons une mission bien déterminée, nous pas qu'à venir faire ça qui contraire à la parole. Jésus-Christ dit, et nous-mêmes les 12. Pour qui ça nous parler? Et maintenant, Simon Pierre prend la parole, il répond le Seigneur, écoutez ça, il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de l'esprit. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint. C'est où qui l'esprit parole là? Qui côté vous voulez d'aller? Donc, c'est pour nous dire que nous avons écouté le ministère là, ou qu'a confus. Parce que parole ça, sont paroles de contradiction. C'est les gens qui gagnent l'esprit semence là, qui comprennent. Donc, la Bible dit dans Jean 20, pour nous quitter où, le Seigneur va y discipler, y a un esprit, le Saint-Esprit. Et l'elfine souffle l'esprit à sur yo, il dit yo. Amoun, qui ne va pardonner, écoutez, regardez le texte là, vous pas dit David dit, et libre pour pardonner péché, mais non, c'est la Bible qui dit, on va dire qu'on ne peut pas comprendre, mais il faut comprendre. Il y a des gens qui prennent le texte, ils mettent en face, non, bon, ou déjà, il y a des gens qui ne comprennent déjà. Donc, on ne peut pas comprendre, ou déjà, il y a des gens qui rempli avec la puissance d'égarement, donc qui c'est une prophétie sur la vie. Ou pas qu'à faire comprendre bien que ça. Et après, c'est tout. Donc, c'est pas moi. La Bible dit dans Jean 20, regardez, et le Seigneur Jésus-Christ dit, il souffla sur eux, verset 22, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'il te prend bouche il souffle sur yo? Mais non, il va te faire ça. Il y a deux catégories de péchés. Il y a un péché que l'homme te commet dans le jardin d'Éden. Péché ça c'est un péché impardonnable. Et c'est une grande mission que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour
enlever péché que nous pas jamais qu'à retirer de tout là-dedans. Les vignes fait des sacrifices. Et puis, les enlever péché. Ça veut dire les effacer. C'est pas moi qui dis. Le prophète Jean-Baptiste dit l'éloi le Seigneur Jésus-Christ a venu. Il prend un symbole agneau, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôter, effacer. Au prime abord, péché ça, lui pardonner une fois pour tout, ou pas besoin de demander pardon pour lui. Et ceci est tellement vrai, dans 1 Jean 1er, il dit le Seigneur, avec le sang du Seigneur Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Ça veut dire, ou pas besoin de demander pardon pour péché ça. Péché que personne n'a nous pas capable retirer, enlever le Seigneur Jésus-Christ à travers son sang immaculé, il pardonne tous les prédestinés destinés à la vie éternelle, tous les sauvés ou pas besoin de demander pardon. Maintenant, verset ça, nous pas le film comprenez dans l'étude. Parce que nous allons rentrer dans la prière d'intercession. Verset ça qui dit le Seigneur Jésus-Christ soufflait sur les disciples, ça veut dire libayo mystère royaume, libayo mystère écriture. Nous rappelons dans Matthieu 16, il dit je bâtirai mon église que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire vraie l'église n'a pas de notre question. Et dans la question pile causé ça y a quoi dans paquet de bagages qui pas existé, il dit Pierre m'a baou les clés du royaume. Ça veut dire m'a baou clés qui permettent ou capable révéler secret l'esprit hein, ou capable vivre ou capable orienter l'autre. Donc c'est ça le Seigneur Jésus-Christ fait, il pas prend bouche il souffle sur vous dire non. L'aile dit souffler, c'est pas souffler d'une manière physique, ça veut dire lui enseigner, lui enlever l'esprit d'égarement, l'esprit aveuglement, et puis il dit me remplacer esprit ça yo par le bon esprit. Et maintenant, puisque le Seigneur créateur a été voyé, l'esprit a été voyé, moi-même tout qui possédait esprit a me voyé. Avec même esprit ça. Donc, amoun, asilayo, que nous pardonner, ça veut dire amoun qu'on enseigne, qui tend des paroles là, qui vit paroles là, qui croit paroles là. Péché qui c'est aveuglement. Péché égarément la sortie. Par exemple, non égarément. Il y a un monde qui voyage dans un avion pour l'albaï, il y a un pasteur prié pour lui. Son péché d'égarément. Ça veut dire pour qu'on ait une vérité. Il y a un pasteur qui. Il y a un monde qui choisit aller juste en Afrique, puis tant d'un pasteur fait miracle, et puis là. Ça veut dire que nous sommes toujours dans l'égarement. Il faut qu'on comprenne que puissance, ça c'est dans lui. Autant de fois puissance là, l'a expérimenté, l'a fait clair, donc des bagailles, il est contrôlé. Ça veut dire, les disciples ont deux pouvoirs. Pouvoir pour eux, faire mon temps de eux, et leur temps de eux, ils ont éclairé mon eux, et puis mon eux ont sorti de l'égarement. Tu vois, donc pour passer avec un esprit qui est vraiment éclairé pour être capable de continuer à prêcher l'évangile. Donc à mon tout qui partent et qui déjà bien comme prophétie sous tête yo, yon puissant dégarement pour continuer à croire dans le mensonge, pas dans un message disciple qui a fait.
à tout le monde qui tendait message ça. C'est ça, ça veut dire disciples pardonner les péchés et retenu les péchés. C'est retenir les péchés, c'est puissant d'égarement. Dieu envoie une puissance d'égarement. Pas grand yon café sous pas quoi dans la réalité, dans le message qui pour aider grandir spirituellement. Merci à tous bien aimés qui t'a coûté et parole ça. Des fois, vous pas fait nous bien. Des fois, c'est pas l'hymne de besoin d'entendre, mais l'essentiel. Le Seigneur dépose l'Esprit, qui c'est l'Esprit Saint dans la vie, pour l'expérimenter et pour nous continuer effacer ou bien pardonner. Péché, ça, c'est pas péché qui va le voir nous dans l'enfer, mais même des élus qui, dans l'égarement, dans Jean chapitre 10, montrent gagner des brebis qui encore en dehors de pâturage. Ça veut dire qu'ils sont encore dans l'égarement, leur autant des paroles. Il y a un peu de monde qui tend des paroles, ça, qui dit paroles, ça, sont paroles pour nous retenir. Automatiquement, nous tendons et la vie automatiquement prend une attention. Merci à tout le monde qui t'a écouté. La majorité branchée est connectée. Nous allons rentrer dans la prière d'intercession. Merci à vous. Merci à chacun de vous qui t'a coûté, servi d'adoration et de louange. Hein? Que le Créateur est capable de comprendre que l'esprit parole, là, qui c'est parole de l'esprit et de vie, capable de comprendre qu'on a une mission sous terre là, ou pas seulement venir manger et boire sous terre là. Mais bon, mission pour rester en esprit et en vérité. Nous saluer tous les amis, un peu partout, soit quel que soit potoyé à travers le monde. Espérant que le Seigneur Jésus-Christ souffle sous nous et bat nos missions pour nous continuer à pardonner Silayo qui est encore dans l'égarement. Silayo qui pas comprendre. Gayon moment qui a avancé sous nous là à grand pas. Côté tout ça que nous fait, nous pas comprendre. Il apparaît à grand jour. Nous arrivons dans un moment pour si là yon kembe la foi. Et pour la foi, ça va diminuer. Pour nous continuer, bah, le Seigneur gloire, honneur qu'elle méritait. Mission pas seulement venir habiter dans Belkaï, c'est très bien. Mais le plus toujours, mission pas seulement venir rouler belles machines sur la terre, mais le plus toujours, mission pas seulement venir faire popularité, mais le plus que ça. Pas oublier nous tout bien pour nous quitter terre là. Puisque nous avons pour nous quitter la terre, nous avons une mission pour nous accomplir. Encourager Sila yo, qui pour qu'on soit clair, pour qu'on soit capable d'être clair et comprendre la vérité. Pas oublier. À tout bien-aimé qui est malade de longue distance, qui n'est pas capable
Ouais, gagnons symbole d'expérience que nous fait nous-mêmes, Baba ici. Gagnons seul nom qui répétait qui a toute puissance qu'elle doit gagner, qui a sauvé ou guéri ou transformé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Gagnons le monde qui m'a dit de prier pour nous, prier pour nous. Mais maintenant, je vais faire un bagage. La Bible dit, après le discours de Pierre, rempli de l'esprit, il y a des cœurs qui repentent, qui convaincent. Et on te pose la question, qui ça a été doué fait? Il y a des disciples, apôtres, qui ça a été fait? Et Pierre, rempli de l'esprit, répond, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, deuxièmement, pour le pardon de vos péchés. Péché, ça c'est les péchés d'égarement que vous pas qu'à comprendre. Ou à vivre malgré ou remet l'évangile, ou à vivre dans ça qui n'est pas bon. Ça veut dire pourquoi éclairer. Mais pas oublier, péché que le Seigneur doit pardonner, elle pardonne une fois pour toutes. Sacrifice ça, on n'a pas besoin de faire aucun sacrifice pour lui encore. Mais type de péché ça, on a besoin de baptiser pour le pardon de vos péchés. Troisièmement, et vous recevrez le don de l'esprit. Par contre, si on baptise déjà, on baptise l'autre. Et fait le plus grand nom de la terre là, le Seigneur Jésus-Christ. Quel de bien-aimé qui fait, après ça, il retourne encore, j'en voulais. Ça, c'est à faire part. Même qu'on est ça sérieux, c'est plus grand nom que Frère David a publié dans la communauté. Lui retirer la peur, lui retirer trois femmes d'Égypte qui ont dormi avant la nuit, lui retirer aussi l'esprit charnalité, lui bas aux compétences et capacités pour servir le Seigneur. Ça me croit. Mais après, pour me chasser le diable, je ne suis pas capable de chercher l'autre pasteur. Yo. Qui chasse baka dans ba la ou vous fera et fait yo. Donc vous pas tendez me dire ça yo parce que nous pas quoi là dedans yo. Disposons pour nous capable prier pour nous capable terminer. Père éternel, encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous levons nos bien haut et chaque bien-aimé qui a coûté capable recevoir et permettre d'expérimenter la vie. Merci pour la vie que vous mettez dans nous. Nous avons accès avec le royaume. Nous avons accès à la vie éternelle. C'est le plus grand miracle que nous sommes capables de posséder dans la vie. Père, nous prions pour le monde entier, chaque nation indistinctement. Capoté, grand, petit, quel que soit sa lié. Que vous avez fait des interventions pour la pour nation Sayo. Sans ne pas oublier pays d'Haïti. Chagrin haïtien qui est un peu partout à travers le monde, que présents sont capables de combler. Sayo qui l'hôpital, Sayo qui n'a personne, non sûr et certain, présents sont capables de satisfaire yo, guérir yo, et faire bagaille que le docteur pas capable de faire, faire bagaille que personne n'est pas capable de faire. Nous demandons autant prier, Père, animez-nous et permettez-nous capables de lumière sur la plateforme ça, pour nous capables toujours voyer signal présence dans la vie chaque bien-aimé qui a coûté. Père, nous prions et adorons dans le plus grand nom de la terre, le Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Merci à tous bien-aimés qui t'a coûté, servi d'adoration de l'ouvrage d'Absolute. Mandez-vous pour passer une très bonne semaine. En bas même puissance là, en bas même autorité là, qui c'est créateur. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye tout le monde.
Dieu comme